I want you to know that I love you so. Famille Ndala, nous vous souhaitons la bienvenue à notre soirée et nous vous remercions pour vous être dérangé et venir rehausser de votre présence notre manifestation de ce soir. Nous nous excusons pour le retard que cela a pris et nous vous promettons que ça ira vite et vous ne serez pas négligé ce soir. Donc nous allons commencer notre festivité et les filles d'honneur vont d'abord vous faire une petite démonstration. Ornelle, à vous. Thank you.
I'm not afraid to die.
restez debout s'il vous plaît. J'invite le pasteur Sabin à venir dire la prière pour la circonstance. Pasteur, à vous l'antenne. Bonsoir. J'aimerais juste nous demander si on peut faire ce petit exercice d'incliner nos têtes par signe de révérence. Je crois que ce sera vraiment une prière d'action des grâces pour ce que Dieu a fait dans la vie de notre frère et dans la vie de notre sœur. Et tout ce que nous allons dire en cet instant, c'est un grand merci. Et ce qu'il a commencé, que lui seul puisse être celui qui va conduire mon frère et ma sœur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Si nous pouvons juste incliner nos têtes. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous sommes infiniment reconnaissants, Yahweh, pour cette soirée. Merci, ô Éternel, parce que c'est toi qui as connu ces jours, avant même que Laetitia ne vienne au monde et mon frère Blaise ne vienne au monde, Seigneur. C'est toi qui as connu ces jours. Et parce que tu es celui qui connaît tout le monde et qui connaît la destinée de chaque personne, nous recommandons cette soirée entre tes saintes mains et nous rendons des actions, des grâces pour dire merci au Éternel. Ce qui était un projet est devenu réalité. Et aujourd'hui, Laetitia et Blaise peuvent se regarder et dire « L'Éternel m'a fait du bien. » Ainsi, au Éternel, je recommande au Père Éternel à ces couples bénis entre tes saintes mains. La Bible nous enseigne aussi que tout celui qui est béni de l'Éternel ne peut être maudit. Ainsi, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Et que vous puissiez voir les fruits de la grâce de Dieu dans votre vie. Je recommande aussi tout celui qui est présent en cet endroit, que la grâce de l'Éternel suscite en nous la joie et que nous puissions partager cette joie avec Laetitia et Blaise. Seigneur, je recommande entre tes saintes mains toute boisson ainsi que toute nourriture qui sera présentée en cet endroit. Et je bénis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce, ta faveur, ta bonté demeure et sur Blaise et sur Laetitia et sur les deux familles. Nous te rendons grâce pour ces jours bénis. Sois loué, Seigneur Jésus, sois élevé à jamais. Pour le siècle des siècles, nous avons ainsi prié et demandé au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur Sabin, pour la prière. Nous continuons notre programme. Vous pouvez vous asseoir, please. Merci, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je voudrais vous rappeler que ce soir, nous sommes réunis ici pour le mariage de notre fille Laetitia Ngamboma. Laetitia, tu veux faire un pas en avant? Voilà, Laetitia, c'est notre fille, Laetitia Ngamboma. Elle est jolie, n'est-ce pas, ce soir? Elle est très jolie ce soir. C'est Laetitia qui s'est mariée et aujourd'hui, elle n'est plus une demoiselle. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, elle est Madame Blaise Ndala. Applaudissez Madame Blaise Ndala. Laetitia, notre fille, s'est mariée à un joli monsieur, à un beau monsieur là, qui s'appelle Blaise Ndala. Blaise, vous voulez faire un pas en avant? Les célibataires, aujourd'hui, Blaise n'est plus célibataire, hein, il ne faut plus l'approcher. Hein, Blaise est marié, hein, voilà, il lève sa main pour vous montrer son anneau. Veuillez applaudir Blaise et Letty. Monsieur Blaise Ndala est venu de très loin, il est venu de North Dakota. Il est venu de très loin, il a sauté beaucoup d'états pour venir épouser notre fille Laetitia. Nous lui disons vraiment merci et nous le félicitons pour ce courage et cet effort qu'il a fait pour venir prendre notre fille. Il a passé beaucoup d'états, ce qui veut dire qu'il a passé beaucoup de jolies filles en chemin. Et nous vous sommes très reconnaissants, Papa Boukilo. Nous appelons. Et surtout depuis qu'il. Voilà, c'est l'homme honnête, comme on dit. En Kikongo, on dit « Fuenga Nkete ». Donc, le renard honnête va chasser en brousse. Mais quand il attrape, il amène au village, il mange devant les gens. C'est-à-dire que quand il fait la chasse, c'est en privé. Mais quand il a trouvé, il amène en public. Il vient montrer que voilà, papa, moi j'ai trouvé Laetitia, je l'aime, je voudrais l'épouser.
C'est pour cela que nous tous aujourd'hui nous sommes déplacés pour leur faire cet honneur. Donc c'est un monsieur honnête. Pour cela, veuillez l'applaudir encore davantage. C'est un brave monsieur. Voilà, nous poursuivons notre programme de ce soir pour rattraper les retards. Maintenant, nous allons passer la parole à la famille de Laetitia pour nous dire un mot. Et ensuite, ce sera la famille de Blaise Ndala. C'est le papa de Laetitia. C'est le monsieur qui a bien élevé Laetitia pour qu'on puisse l'épouser ce soir. Voilà. Merci. Bon, après cette longue introduction, je ne sais pas si je peux encore parler. Je voulais seulement dire d'abord merci à tout le monde qui est venu pour votre temps que vous nous avez donné. C'est vraiment un signe de confiance parce que avec tout ce qui se passe, peut-être vous seriez chez vous en train de regarder la télé ou en faire de overtime. Hein, vous vous êtes déplacé pour l'événement, pour honorer Laetitia et derrière Laetitia, sa famille. Ainsi, je voudrais au nom de Laetitia, à mon nom personnel et à ceux de ses sœurs, parce que c'est une petite famille avec deux sœurs encore qui restent, j'ai encore de la marchandise, vous dire merci. Et à Laetitia, pour cet honneur, c'est vraiment un honneur. J'ai longtemps pleuré, j'ai su rester pleurer seul. Et aujourd'hui, tu m'as essuyé les larmes. Je sais que Laetitia, il fut un moment où, peut-être dans la vie, vous ne savez pas comprendre ce que nous cherchons, nous les parents. Comme tu te réfères souvent à la Bible, je vais m'y référer. Même Jésus, quand il est venu, sachant bien qu'à son retour, il sera le petit roi ou le grand roi, il n'est pas venu s'amuser. Il est venu faire la volonté de son Père. N'est-ce pas? Et ce n'était pas facile. Il y a eu des moments où la sueur qui sortait de son corps, c'était du sang. Il y a eu un moment où il ne pouvait même pas supporter, mais il a dit, Père, que ta volonté soit faite. C'est pour te dire que tout ce que j'ai fait dans ta vie, c'était pour ton bien. C'est sûr que peut-être beaucoup de choses tu n'as pas supportées, mais moi je voyais un peu peut-être au-delà de ce que toi tu voyais. C'était pour ton bien. Aujourd'hui, enfin, tu vas me tourner peut-être le petit dos. Tu vas peut-être partir, je ne sais où Blaise va t'amener. Mais sache que derrière toi, il y a un papa qui t'aime. Okay? Enfin, Blaise, tu m'as gagné. Tu as gagné le combat qu'on a commencé en secret, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je te dis, tu es entré dans une famille, il n'y a que des filles. Sois un frère. Sois vraiment un frère pour ces filles que tu as trouvées dans ma petite famille. Et sois un fils pour moi. Je voudrais dire à la famille de Blaise, quand on marie bien sa fille, on gagne un garçon. J'ai gagné un fils. Je voudrais bien que Blaise soit pour moi. Je n'ai jamais eu de fils. Je regrette que je n'ai jamais eu de fils. J'ai été seulement un prêtre au couvent. Aujourd'hui, je dis, j'ai gagné un fils. Amen. C'est Blaise, mon premier fils. Amen. Merci pour cet honneur, Blaise. Okay? Nous avons commencé ça à deux, petit à petit. Tu m'as fait voir que tu t'aimais. Je voulais te décourager. Souvent, je faisais tout pour te décourager, pour voir si réellement tu voulais ce que tu cherchais. Mais tu m'as montré que tu as trouvé ce que tu cherchais. Aujourd'hui, je te donnais le pouvoir à l'église. Mais avec ma bénédiction, tu avais dit, Laetitia n'avait pas besoin de l'amour, n'est-ce pas? Elle avait besoin de l'affection. Donne-lui toute cette affection. Peut-être que chez moi, elle a manqué cet amour, toute cette affection, parce que je suis un peu dur. Donne-lui, s'il te plaît, cette affection. Elle en a besoin. Laetitia, respecte Blaise. Elle m'a honoré aujourd'hui. Ok? Elle m'a vraiment honoré. Comme disent nos parents, je peux aller dormir éternellement, je dirais. Blaise m'a déjà honoré. Ok? Respecte-la
respecte-le, obéis, obéis, obéissez. Sois soumise, reflète le caractère que je t'ai toujours donné. Sois soumise, discute après. Même si tu veux discuter, ne discute pas dans la rue. Cache-toi pour discuter avec ton mari, ok? Ne fais pas la honte de la famille. Je ne pense pas que tu... Je connais ton caractère, tu ne dois pas me décevoir. Et aux autres, et à tout ce monde, je vous dis bonne fête. Prenez soin de vous-même, mangeons, dansez. Vous me verrez danser, peut-être, c'est pour dire que j'ai de la joie, ok? Merci alors. Merci Papa Benoît, merci, vous avez suivi le discours de Papa Benoît avec beaucoup d'émotion. C'est vraiment la joie d'un parent qui vient, d'un papa qui vient de marier sa fille comme il a dit. Et ce que j'ai aimé chez Papa Benoît, il a dit quelque chose de spécial, il a gagné un fils. Je n'ai jamais entendu ça, c'est la première fois que dans une fête de mariage, que j'entends que le papa de la fille dise « J'ai gagné un fils ». Pour moi, ça, c'est une mention spéciale. Et nous passons maintenant à présent à la famille de Blaise Ndala pour leur mot de circonstance. Alors, nous avons deux personnes qui vont parler. Il y a M. Blaise et puis Madame. Oh, Monsieur Eugène, vous voyez tellement que Blaise a occupé notre esprit, on commence à confondre des noms, hein? On commence à les citer partout. Vous avez l'honneur. Ça va, un grand merci. Au nom de la famille Ndala, nous tenons à remercier tout le monde qui est venu... honorer nos jeunes mariés pour ce soir. Juste une petite parenthèse, nous voulons vous présenter un peu toutes les excuses pour le retard que nous avons de nous occasionner un peu aujourd'hui. On est toujours dans des circonstances assez particulières. On l'a essayé de rappeler un peu hier. Nous avons une souffrante parmi nous. On essaie un peu de l'accommoder pour être le mieux possible durant toute la manifestation. On ne va pas tenir long, parce qu'on est déjà, on est déjà suffisamment tard comme ça. On voulait juste arriver aujourd'hui, ce soir plutôt, à vous remercier. Je passe un peu la parole à ma femme, qui a quelque chose de particulier à arriver à prononcer pour... son jeune frère Blaise et maman Laetitia, notre jeune mari. Bonsoir tout le monde. Voilà, j'ai perdu ma voix. Ouh là là, c'est pas un jour pour les discours aujourd'hui. J'aimerais bien remercier toute l'Assemblée d'être présente ici, de nous avoir honorés pour nos jeunes mariés. Et... nous remercions particulièrement la famille Ngaboma qui nous a acceptés comme belle famille, particulièrement papa Benoît qui a permis que tout ceci se fasse. Un grand merci. Comme vous avez dit, vous avez un fils, et ben nous avons gagné une fille aussi. Laetitia, nous la considérons, moi je la considère, et toute ma famille d'ailleurs, je parle de mes frères et mes sœurs, la considère comme une de nos sœurs. Et c'est comme ça que nous vivons dans notre famille. Elle est là, vous l'appelez d'ailleurs Ndala, donc c'est une vraie Ndala. Tu es la énième de mes petites sœurs. Merci d'avoir accepté la demande de mon frère, merci pour cet honneur que tu lui as fait. Je n'ai pas beaucoup de mots pour exprimer ce que je ressens au profond de moi. Mais c'est juste dire un grand merci. Un conseil, c'est que tu épouses l'homme le plus
Oh là là, oui. Doux n'est même pas, peut-être pas le mot. Doux n'est peut-être pas le mot. Je ne sais pas, le plus merveilleux qui soit pour toi. Un garçon qui est là, toujours à écouter. Même s'il va discuter, ça sera juste un peu. Très poli, très aimant et vraiment à l'écoute. Il sait combien de fois je l'ai acculé pour Laetitia. Je dis, mais mon enfin, dit, est-ce que ça ne peut pas attendre? Oh non, quand il veut quelque chose, eh ben, il va jusqu'au bout de ce qu'il veut. Et tu as épousé un homme de valeur. Et tout ce que je te demanderai, c'est de bien t'occuper de lui, de lui donner ce qu'il mérite, ton amour. Ton amour. Tout ce que nous vous souhaitons, c'est que vous soyez heureux. Si vous avez des problèmes, réglez-les entre vous. N'allez voir personne. C'est vous deux qui devez régler vos problèmes. Si vous venez chez moi, je prendrai la part de mon frère, sans doute. Si vous allez chez papa Benoît ou tata Moissy, ils prendront la part de Laetitia. Et donc, ça ne sert à rien. Réglez vos problèmes. Et comme le pasteur avait dit, ne jamais dormir fâché. Ben, on ne va pas rester à faire des discours. Nous remercions toute l'Assemblée. Okay. Je vais repasser la parole à mon mari, Eugène, qui a un petit mot à rajouter. Ok, bon, voilà. Nous sommes presque à la fin de notre petit mot de circonstance. Je voulais juste arriver à avoir une pensée particulière pour le papa de Blaise qui aurait bien aimé être présent et voir le dernier de ses fils se marier. Malheureusement, il n'est pas là. C'est le... Je pourrais juste arriver à inviter peut-être une dernière personne qui peut juste arriver à mieux exprimer cela. Mathieu, tu peux dire juste un petit mot pour ton... Pardon ? Non. Juste pour ton... Juste pour ton oncle qui aurait peut-être aimé être là. Bonsoir. Je remercie beaucoup la famille de Laetitia. Et aujourd'hui, si notre papa était là, dans la Kassala, ça devait être vraiment merveilleux pour notre famille, pour notre frère Blaise. C'est pour ça que je demande à tout le monde de se mettre debout. Je demande une minute de silence pour l'honneur des papas Ndala, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça va. Un grand merci en tout cas à l'assistance. Nous avons simplement tenu à exprimer cela pour montrer combien était présent le papa en tant que papa et chef coutumier, combien il était présent dans la vie de Blaise. Il est parti malheureusement et on continue alors la vie. Comme papa l'a dit, on va ce soir arriver à faire la fête et nous sommes prêts et disposés. Nous attendons maintenant le maître de cérémonie qui va continuer avec le programme. Toute la famille est là pour faire la grande fête aujourd'hui. Un grand merci à toute l'assistance d'être venue pour nous accompagner durant tous ces événements. Merci à vous. Merci papa et jeune. Merci la grande sœur, maman Madeleine. Merci à toute la famille de... Blaise Ndala, ce soir, vraiment, vous nous avez honorés en épousant notre fille. On ne peut que vous dire merci. On vous en reste infiniment reconnaissant. Okay.
Mesdames et messieurs, nous continuons notre programme de ce soir et notre avion continue de monter. On va maintenant prendre de la hauteur. On va prendre la vitesse, notre vitesse de croisière. Tenez bien vos ceintures, tenez bien vos ceintures, tenez bien. Maintenant, les mariés vont exhiber quelques pas de danse, tout seuls, tous deux. Et après, les mariés seront entourés, vont danser avec leurs parrains et marraines. Et puis, la troisième danse, ce sera les deux mariés, leurs parrains, et puis papa Benoît de son côté, et puis la famille de Blaise. Nous commençons avec Letty et son mari, si vous pouvez exécuter ces... You chased me, I caught you. So glad we found each other. We whispered forever to share our lives together. To watch our dreams unfold. Yeah.
Maman Madeleine de venir danser avec notre beau kilo Blaise Ndala. Papa Benoît. Merci Niger. Yeah.
azuwa oyo pasana baninga Zambi bafika bayaya mbuchanda.
Il y a le bar payant là.
Là, je vois là-bas de loin, je vois Papa Blaise, il a la lèvre, il a un petit peu de gâteau. Et à ce côté, il y a Maman Letty. Et deux à l'assiette. Et Blaise va faire manger Laetitia. Mais Papa Blaise. Et aussi, je voudrais rappeler à l'assistance, il y a encore assez de jours là-bas. Cette fois-ci, on ne va plus faire le tour pour éviter les tables. Donc, si vous avez encore un petit peu à l'estomac, sentez-vous libre, levez-vous, allez du service. On a encore assez de jours qui est resté là-bas. Si vous ne consommez pas ça, c'est pas grave. Donc, il y aura un petit protocole. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Abigail, je suis la petite sœur de Laetitia. Je veux d'abord commencer par remercier l'Éternel de nous avoir accordé la grâce de nous réunir ensemble pour fêter l'union qu'il a permis. Et pour ceux qui étaient venus avant, qui a écouté mon père parler, moi quand je t'ai mis debout ici, je l'écoutais parler, honnêtement j'étais surprise parce que tout ce qu'il disait, c'était comme si... Il savait ce que moi j'allais dire. Quand il disait qu'il a gagné un fils avec Blaise, moi j'avais préparé à dire que j'ai gagné un frère en Blaise. So, j'étais mis ici de ouais, je me disais comment est-ce qu'il connaissait ce que je vais dire. So, devant, je viens à Blaise et je te dis merci d'avoir été un ami. Merci d'avoir honoré Laetitia, comme mon père aussi avait dit, devant Dieu, devant sa famille, et devant la famille et devant tous ses amis. Et... Comme on sait que le parcours vient de commencer, vous avez encore un long parcours ensemble,
Et ma prière, et je suis sûre la prière de beaucoup de gens ici, est que votre mariage soit une bénédiction pour cette génération et que l'Éternel puisse vous utiliser, vous deux. Alors, pour tout le monde qui a un verre avec les vins dedans, si on peut lever, et vous avez aussi des cloches, et on va avoir un toast pour le nouveau marié, pour to wish them good luck on their new journey together. À Letty et à Blaise. Alexia Blaise, congratulations. Thank you, girl. Merci Abigail. Elle a encore gardé son français. Hein. Comme papa avait dit, j'ai encore des filles. Hein. Hein? Donc, dites à vos garçons là, hein. J'ai encore des filles ici. Hein. Nous avons encore des filles, ok? Ok, nous passons maintenant à la vitesse supérieure, comme j'avais promis. Nous allons retrouver notre niveau de croisière. On va encore monter à 12 000 pieds d'altitude. Là où vous arrivez, quand vous montez dans l'avion et que vous venez aux États-Unis, ok? Maintenant, papa Blaise et maman Letty et les filles et garçons d'honneur, ils vont nous exhiber la danse. Et après, ce sera, la piste sera ouverte à tout le monde. DJ, s'il vous plaît, viens nous balancer le morceau qui va nous amener au top. Les tiens à Bali, sommes. Et comme Abigail a dit, que ce soit une bénédiction pour toutes nos filles qui restent. Yo no voy a quedar ni cara.
it, it's in my blood now. Lord, I made it, I'll be my brother. I love it, just control. I'm proud of you. It's in my blood. It's in my blood. This world is in my blood, yeah. It's in my blood now. I'm
Non, c'est... En fait, c'est quelque chose qui est simple, mais significatif. C'est un portrait. Je peux dévoiler. C'est un cadeau spécial. Ça a l'air romantique, oui. Oui, baguette, hein. Je voulais que ça soit... En fait, c'est ça ma surprise. Non, ça c'est la main de Dieu. Ok, monte-toi, la piste est tombative. Thank you.
Mama,